Gabriel est amoulé à Nana. Mesdames et messieurs, venez danser. Apprendre à faire un tie and dye. Let's go! Alors, pour ce tie and dye, il te faut un vieux t-shirt clair. J'ai pris ce vieux t-shirt tout blanc. Il n'y en a plus personne qui l'utilise. Ensuite, trois couleurs différentes de papier et crayon. Donc, moi j'ai choisi rose et bleu, donc vous pouvez choisir autre chose. Ensuite, trois petits verres. Ensuite, on aura besoin d'élastiques, des petits élastiques, voilà, de ciseaux. Il faudra faire attention à pas vous couper. D'une cuillère ou d'une fourchette. Et un vieux plateau pour pas salir votre table. Et de l'eau très chaude. On commence à couper trois rondelles de papier crépon. De commence. Alors, il faut utiliser les ciseaux du coup, mais faites bien attention à pas vous couper. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez demander de l'aide aux adultes. J'ai fait mes trois rondelles. Maintenant, on prend trois verres. On met nos papiers crépon dedans. On va mettre l'eau très chaude dans les verres. Bon, moi j'en ai un peu plus. Ça commence déjà à faire le colorant, c'est vraiment très beau. Donc maintenant ça c'est fait. On va s'occuper du t-shirt. Et comme ça, en attendant, les couleurs pourront bien se défaire dans l'eau. Maintenant, on va mettre le tricot. Voilà. Par contre, je déteste le pli. Je déteste le pli. Je ne veux plus aucun pli là-dessus. Plus aucun. Plus aucun. Plus aucun. Bon, ça fera l'affaire, hein. Maintenant, vous prenez la cuillère comme ceci. Ensuite, vous la mettez là et vous enroulez comme ça. Vous faites un tourbillon. Un kiki. Par contre, il faut bien rester. Il faut bien mettre la cuillère bien au fond comme ça, sinon ça ne marche point. Ensuite, on rabat bien sur les bords, comme ceci. Ensuite, on prend la cuillère et on prend des petits élastiques, comme je vous ai montré tout à l'heure. Bon, on les met là. Par contre, il faut essayer de ne pas les casser. Voilà. Le poil ici, comme tu dis. Bon, maintenant j'ai récupéré mes verres. Prenez le plateau, vous en aurez beaucoup besoin, et prenez votre tricot. Maintenant, on va aller dehors, on va le déplier et on va le mettre à étendre. La luminosité est pas top, mais il a quand même beaucoup de soleil. Donc maintenant, on va le prendre
On enlève tous les élastiques. N'ayez pas peur, c'est normal que c'est mouillé. Voilà, ça c'est fait. Et c'est bien parce que comme ça il va sécher vite. Il a beaucoup de vent. Ah! Voilà, on enlève partout, sur tous les côtés. Et voilà ce que ça donne. Ah, c'est dommage, ça fait pas beaucoup partout. Regardez, c'est dommage. Bon, c'est super classe parce qu'il y a plein de taches partout, mais bon, regardez à l'intérieur. C'est trop classe. Bon, c'est pas mal, mais c'est trop bien. Par contre, c'est dommage que ça n'a pas fait bien partout et tout. Moi, je pensais que ça allait faire partout, mais je crois que c'était les verres qui étaient beaucoup trop petits. Donc, voilà derrière. C'est trop beau. Bon, on va mettre avec toi maintenant. Ah ah, le problème c'est que je sais pas où. Par là. Alors on va le mettre avec ton qui aime comme ça. Voilà. Et comme ça. Vous voyez la différence. Comme ça. Voilà. Bon, si vous entendez des voitures derrière, du véhicule, du bruit, c'est normal. On est dehors, du coup, là, du vent et là, les gens. Donc voilà, voilà qu'est-ce qu'il donne. Le tricot, il est vraiment, vraiment trop beau, magnifique, trop beau, très très beau. Derrière. Au revoir. Par contre, sur le devant, là, les écritures guest, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais après c'est pas grave parce qu'on va faire un truc avec. On a aussi des crayons pour les tricots, du coup on va faire plein de trucs. Bon, ça ne va pas trop grand, mais bon. Mais bon. Pour l'été, voilà, hein, je mettrai une ceinture, puis ça me fera une robe. Ah, ça vole pas beaucoup par contre. Mais c'est vraiment trop cool. Une belle robe comme ça. Avec ces petites chaussures là. Ce serait trop classe. Ah oui. Et avec ça. Ouais, avec ça. C'est pas si bien mis. Voilà. Ou alors, avec ce. Chapeau de cowboy, je sais pas. Donc voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout abonnez-vous. Mais n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Ça me fera toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Et à l'instant. Et pour l'instant, je vous fais bien de gros bisous. Ciao.